Je suis Marion Técher et je suis en technique de physiothérapie au Cégep de Chicoutimi. Je m'appelle Jessica, je suis en troisième année en ATM en publicité. Je suis Jimmy, je suis en technique d'éducation spécialisée. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis là. Je suis là depuis 1 an. 3 ans. J'ai quitté La Réunion pour avoir des meilleures perspectives d'avenir, pour connaître un peu la culture canadienne, pour voir c'était comment, parce que j'ai connu mon île toute ma vie. Et puis ici, on a plus de choix de travail, pareil. Alors, pourquoi le Québec? Bonne question. C'est parce qu'on me proposait avec mon université un échange dans un pays. Donc j'avais le Québec, l'Espagne, entre les deux. Puis j'ai préféré le Québec. Donc pour partir plus loin, découvrir une autre culture. Et je me suis dit que c'était une opportunité de continuer dans le domaine de la communication, de la publicité en ATM, qui était assez réputée. J'ai quitté La Réunion parce que je voulais voir autre chose. Je voulais voir un peu comment c'était fait ailleurs. Et puis, vu la situation économique de l'île, avec 30% de chômage, je me suis dit que c'était mieux de partir tenter ma chance ailleurs. Et le Québec, parce qu'il y a des représentants qui viennent tous les ans dans l'île pour recruter les élèves. Et j'ai rencontré Nathalie Hood qui m'a parlé du cégep de Jonquière et elle m'a convaincue de venir. Voilà. Plutôt bien. En fait, j'ai eu un peu de mal au début avec l'accent et les expressions qui étaient différentes. Quand on m'a dit « Hé Marion, viens-t'en ici, tire-toi une bûche », j'ai fait « C'est quoi ça ?» Mais au final, au fur et à mesure de travailler avec eux, de les côtoyer, on apprend à s'y faire. Et même moi, j'utilise des expressions québécoises avec ma famille, ils ne comprennent pas. Vraiment bien aimé, parce qu'on a été très bien entouré avec les personnes qui s'occupaient des internationaux. Et j'ai fait la connaissance de plein de personnes de différentes nationalités et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Le cégep s'occupe énormément de beaucoup d'activités avec les internationaux, on fait beaucoup d'événements et tout ça, c'est vraiment super, donc je me suis très bien intégrée. Mais je dirais que pour moi c'était difficile, surtout en première année, c'est parce que dans la technique c'était que des filles et puis elles se connaissaient déjà depuis longtemps, du coup c'est dur de rentrer dans un groupe. Comme je suis de nature assez timide, je ne suis pas du genre non plus à aller vers les autres facilement. Et pour être honnête, j'ai tendance à aller plus vers les étudiants internationaux comme moi qu'aller vers les Québécois. C'est les amis Québécois que je me suis fait, c'est vraiment ça, la danse. C'est des personnes plus âgées que moi, puis au travail. Mais j'ai beaucoup plus d'amis internationaux que Québécois. La nourriture. J'apprécie beaucoup les paysages, les gens aussi en général. Comme j'ai pu visiter Québec, Montréal, Ottawa, c'est des gens très généreux. Dans le Saguenay aussi, ils sont très ouverts et j'apprécie leur générosité. Je trouve que c'est un beau pays, c'est grand, c'est beau. Les gens sont gentils, il y a beaucoup d'opportunités au niveau professionnel et au niveau des voyages. J'aime beaucoup le Canada parce que les gens ici sont quand même assez ouverts. Ils sont vraiment super accueillants, super gentils, j'ai un super accueil. Et puis, au final, j'aime bien l'hiver. Ça va. Oui, je compte continuer ici après l'obtention de mon DEC, parce que ici, on a beaucoup plus d'opportunités de travail que n'importe où ailleurs, en fait. Oui, je vais rester au Québec après mes études, mais je pense que je vais changer de ville. Je vais aller à Sherbrooke ou Montréal, parce que c'est plus de choses à faire. Et puis, je compte travailler dans mon domaine et puis économiser pour rentrer à l'université après. Je ne reste pas au Québec parce que je dois retourner en France pour passer en oral et valider mon diplôme de cette année au Québec, en échange avec mon université.